Tout d'abord, en introduction, je voudrais faire part d'une coïncidence, puisque il y a 5 à 6 ans, lorsque nous avions coédité avec le cabinet Pouget Consultant un guide qui s'appelle le guide ABC, l'amélioration thermique des bâtiments collectifs entre 1850 et 1974, nous avions pris comme exemple l'exemple de la rue de Meaux comme un exemple de rationalisme constructif et avait travaillé notamment sur l'établissement de toute une série de documents graphiques à partir des archives, Nicolas Mémy et Laurent Lort, qui avaient fait un travail très très important de retranscription des documents que l'on avait pu repérer en archives. Alors, cette introduction pour dire que effectivement, dans les travaux que l'on réalise, nous, tous les jours à l'agence, on est effectivement très souvent amené à nous poser la problématique de la réhabilitation thermique de ces ensembles, et plus particulièrement sur Paris. Un élément important, un levier, je dirais aussi, dans la rénovation et la réhabilitation de ces ensembles, ce sont les subventions qui sont données, notamment via le plan climat, qui permet effectivement d'apporter des financements qui sont non négligeables pour les opérations que nous traitons sur Paris. Donc cette opération de l'architecte Denis Honegger, on peut déjà la replacer dans le contexte historique. Rappeler qu'effectivement, Denis Honegger s'était initié à la préfabrication en participant à la construction de la cité de la Muette au Rincy au début des années 30. Rappeler également qu'en 1951, le MRU décide de confier à Honegger une des 6 premières opérations dites du secteur industrialisé à Pantin, avec un procédé de préfabrication assez performant qui sera nommé un peu après le procédé Gamma 57, dont vous avez une illustration sur la planche qui est actuellement projetée. Honegger va ensuite être sollicité pour la construction de plusieurs ensembles en région parisienne, notamment à Malakoff, et puis à Paris, dans le 12e arrondissement, et également rue de Meaux, cette opération donc, que je vais vous présenter. Et c'est le ministère en fait, qui va proposer à l'office d'HLM de la ville de Paris, qui va proposer Denis Honegger pour la construction de 425 logements, une église et un centre médico-social rue de Meaux. Les planches que vous avez actuellement présentent des photos de chantiers de diverses opérations, et c'est effectivement un élément important dans la connaissance de ce patrimoine. Et il est vrai que là, le fonds Honegger présente un fonds assez extraordinaire, que ce soit en document graphique ou encore en photographie, sur ces éléments de la construction des édifices. Donc ici, la tour de la rue Méhul à Pantin, en construction. Une image d'archives datée de 1956, dans laquelle on se rend compte effectivement de la précision et de la qualité des documents qui sont à notre disposition, notamment toute la question liée à la préfabrication des éléments et aux mises en œuvre qui sont effectivement particulièrement abouties sur ce projet. Donc l'opération de la rue de Meaux, sur une parcelle triangulaire à mi-chemin entre le parc des Buttes-Chaumont et le bassin de la Villette, sur un site en forte déclivité, avec un aménagement paysager particulièrement abouti et une densité étonnamment faible pour la capitale, c'est-à-dire on est sur un coefficient d'occupation de sol de 2
pour cette opération. Un travail que l'on fait assez systématiquement sur les projets qu'on aborde, c'est évidemment d'essayer d'analyser les différents bâtiments. Cette planche, juste pour démontrer qu'en réalité, ce type d'édifice présente un rapport plein vide, compris entre 20 et 30% de vide, ce qui marque évidemment l'importance du travail sur la question de l'enveloppe, puisqu'évidemment, dans le projet, on travaillera sur les fenêtres, mais il y a effectivement une partie importante des surfaces qui est consacrée à la question du plein. Les logements, je passerai un petit peu vite sur cette question, mais je pense que c'est important de montrer qu'on est sur en fait, des logements qui sont très qualitatifs. Tout d'abord, avec des surfaces qui sont, on pourrait dire presque aujourd'hui, celles qui sont dans le cahier des charges des bailleurs sociaux, et au-delà même de la surface, avec des qualités exceptionnelles, évidemment des orientations multiples, parfois même plusieurs loggias pour les logements, et puis des parties communes, au moins pour les bâtiments intitulés la famille B, qui sont des tours de 10 étages, avec des parties communes extrêmement généreuses. Donc, majoritairement, deux types de bâtiments sur ce site, trois tours et des bâtiments bars avec des orientations différentes. Avec une particularité, on parlait tout à l'heure de rationalisme constructif, on a aussi une organisation des typologies qui est extrêmement rationnelle. Et sur cette planche, on peut percevoir les pièces humides associées aux parties communes, avec effectivement une organisation extrêmement rationnelle de ces éléments dans le plan des logements. Sous un aspect qui pourrait paraître relativement homogène, on est sur 26 types différents de logements, avec évidemment des éléments communs, mais on est sur, finalement, au travers de façades, encore une fois, relativement homogènes, on est sur des typologies relativement variées, et je pense que c'est effectivement une des grandes qualités de ce site. Alors, le programme qui nous a été confié, évidemment, comme j'en parlais, une amélioration du confort thermique, le ravalement des façades, une amélioration de la sécurité incendie, et puis les contraintes, la première contrainte à laquelle nous avons dû faire face, c'est celle du milieu occupé, et puis, évidemment, la réflexion au regard de la question d'isolation, puisque il n'était pas question pour nous d'étudier des principes d'isolation par l'extérieur qui auraient été en contradiction avec les principes mêmes de cette architecture qui met évidemment en avant la matérialité des bétons, des menuiseries et la composition évidemment générale des édifices. J'indiquerai aussi que ce bâtiment a été déjà réhabilité, comme souvent lorsqu'on prend en charge des immeubles, et qu'il a déjà fait l'objet d'une campagne de réhabilitation. Sur le projet et la méthode de travail, donc comme je l'indiquais, nous avons travaillé évidemment à partir d'archives, mais en même temps, il nous avait semblé intéressant de croiser les documents d'archives avec des sondages qui, évidemment, ont été localisés à partir des documents dont on disposait et qui nous ont permis de conforter les hypothèses qui avaient été faites au niveau des documents dessinés. Et là, vous avez la photo, en fait, de deux sondages réalisés à proximité des façades et des baies, où l'on voit sur ce document comment les précadres en béton avaient ces fonctions multiples
tout à fait particulière, qui intègre à la fois la fixation du garde-corps, qui intègre la retenue des panneaux de béton préfabriqués, et en même temps qui sont prêts à accueillir les pattes de fixation des menuiseries extérieures. Donc on voit sur cet extrait de coupe la composition même des murs et qui va être le support de notre réflexion sur l'amélioration thermique des bâtiments. Une deuxième vue avec ces poteaux préfabriqués donc de 40 cm de côté et des particularités dans les angles notamment du bâtiment et dans les retours au niveau des loggias, particularité qu'il est essentiel de repérer dans la mesure où, lorsque l'on conçoit un projet thermique, il faut s'intéresser effectivement à tous les éléments et ne pas simplement partir sur un système à partir de l'élément type, mais bien vérifier que les propositions pourront s'appliquer à l'ensemble des éléments du bâtiment. Donc, une fois ces recherches et ces sondages réalisés, un travail se met en place, un travail d'instrumentation qui va nous permettre de valider les solutions techniques qui ont été réfléchies avec le thermicien. Donc ici, on a un exemple d'un test qui a été fait sur le remplacement d'une menuiserie extérieure et qui nous a permis en fait, de nous rendre compte que changer simplement la menuiserie ne pourrait pas résoudre l'ensemble des problèmes liés aux déperditions thermiques et qu'il fallait aller un petit peu plus loin et notamment travailler sur l'interface entre la menuiserie et le doublage intérieur en parpaing de pouzzolane qui était rempli avec une partie en ciment et qui dégradait complètement les effets que l'on voulait produire en mettant en œuvre des menuiseries en bois extrêmement performantes. Un deuxième aspect important de cette recherche a été le choix de neutraliser, ou en tous les cas de minimiser les ponts thermiques puisqu'on envisageait une isolation de la façade et que, comme vous le savez, lorsqu'on souhaite améliorer les performances d'une façade, on peut aussi détériorer à d'autres endroits la valeur des ponts thermiques. Et donc, nous avons réfléchi également sur la base de tests à la mise en place de plinthes isolantes et de corniches isolantes qui permettait de minimiser les ponts thermiques. Et puis l'intervention majeure donc, sur cette opération, c'est le traitement des parois surfaciques par une isolation par insufflation. Et donc cette insufflation de billes de polystyrène dans le vide de construction entre le panneau de béton préfabriqué et le doublage intérieur nous permet évidemment, avec, malgré tout, je rappelle, on est en milieu occupé, avec, et on pourra en reparler, les incidences que cela a à l'intérieur des logements, d'obligation de réfection après coup des parements uniquement, mais ça permet malgré tout de ne pas intervenir, déjà, de ne pas minimiser la surface des logements en traitant la question de l'isolation dans l'épaisseur du mur. Je passe rapidement sur d'autres propositions qui avaient été faites simultanément, qui avaient aussi fait l'objet de tests, comme par exemple la mise en place de panneaux de liège peu épais en intérieur, ou encore l'insufflation dans l'épaisseur des planchers, puisque sur cette opération, nous sommes sur des parquets avec un vide, des parquets sur lambourde avec un vide entre le parquet et la dalle béton. Donc ce sont aussi des solutions qui ont été testées et non retenues sur cette opération. Quelques valeurs, parce que c'est important. Donc on est sur un bâtiment, comme je le disais, qui avait déjà été rénové. La rénovation majeure, c'était le remplacement des menuiseries extérieures. Et on était sur une valeur initiale d'une consommation de 180 en moyenne sur l'ensemble des bâtiments,
de 182 kWh par mètre carré et par an. Et le projet tel que nous le proposons aujourd'hui permet d'abaisser cette consommation à 78 kWh par mètre carré par an en moyenne, et donc de rentrer dans les financements du plan climat. Les propositions qui ont été faites ici, peut-être de manière un peu plus précise, concernent donc majoritairement l'isolation du bâti, avec donc là la planche de l'état d'origine, avec des façades, des parements extérieurs en gravillon lavé et des poutres soit préfabriquées, soit pour les poteaux coulés en place. Voici la planche du projet, donc qui va se concentrer sur cette baie qui est vraiment, je dirais, le caractère de cette opération. Il y en a d'autres, bien sûr, sur la question de l'implantation urbaine des bâtiments, mais et aussi un élément tout à fait particulier et reconnaissable de cette architecture rationaliste, comme je le disais, qui intègre à la fois les occultations, le garde-corps et la menuiserie. Et donc le travail premier sur cette baie, et qui a été étendu aux parois surfaciques, dans la mesure où le simple remplacement des baies n'était pas suffisant pour améliorer le confort. Et je préciserai sur cette question du confort que le système même de la préfabrication pose la question des infiltrations. Il n'y a pas que la question du froid et du chaud, il y a aussi la question des infiltrations, puisque le principe de la préfabrication est favorable aux infiltrations d'air. Et le fait d'injecter, au-delà même de l'apport en termes d'amélioration thermique, permet de limiter considérablement les entrées d'air parasites, puisque il est prévu, dans le cadre du remplacement des menuiseries, des entrées d'air maîtrisées. Quelques points particuliers qui ont été traités dans cette opération. En fait, on s'est aperçu que certains des pignons étaient traités en tuiles de bois. Alors ça restera pour nous une interrogation. On pense qu'il est possible que ces tuiles soient d'origine. On n'est pas absolument sûr. En tous les cas, ça concerne certains pignons. Et par rapport à la conservation de ces éléments, et aussi par rapport à une problématique thermique, encore une fois, d'obligation de résultat, il a été décidé, spécifiquement pour ces pignons, qui représentent évidemment des parties pleines importantes, de travailler en isolation par l'extérieur, mais en retrouvant évidemment la trace des éléments de structure verticaux et horizontaux, et surtout en regardant comment il était possible de gérer la transition avec les façades longitudinales, et ceci donc avec l'aide, je dirais, de ce qui était préexistant. Car ces pignons étaient légèrement en retrait par rapport au nu des poteaux, ce qui nous a permis en fait d'isoler malgré tout par l'extérieur ces pignons avec 7 cm d'isolant, sans gréver la question du retournement de la façade sur les longs pans. Autre élément important, celui de la couverture. Les rives de ces bâtiments, évidemment, présentent une limite avec le ciel. Et donc, il était important d'arriver à la fois à augmenter la performance de la couverture tout en conservant la lisibilité de ces rives de toit en corniche. Et donc le principe a été de garder en fait ce système sans acrotère, ou acrotère en tous les cas particulière, et de venir isoler de telle manière que l'on ne puisse pas percevoir de l'extérieur la présence de cet isolant
avec notamment la mise en place de garde-corps en retrait de cette façade. Enfin, la question des façades, évidemment, nous a beaucoup occupés. Il y a un travail important qui a été fait de repérage des pathologies, puisque autant les éléments préfabriqués de béton gravillonné étaient dans un état assez exceptionnel, autant les éléments coulés en place, et notamment les poteaux verticaux, étaient très altérés. Ils avaient déjà subi une première campagne de peinture et il a été décidé, donc, par rapport aux nombreuses reprises qui sont à réaliser, de garder l'idée d'une remise en peinture uniquement des éléments béton verticaux après réparation des pathologies. Les façades étaient munies de stores colorés dans les tons jaune-orangé. Nous avons, pour des raisons de pratique, décidé de ne pas reconduire systématiquement ces stores sur l'ensemble des façades. En revanche, certaines baies seront équipées de ces stores. Et pour nous, c'est important de rappeler ce dispositif d'origine qui équipera donc les baies de l'ensemble des pièces humides. Les pièces principales seront équipées, elles, de persiennes métalliques. Voilà. Pour conclure, je voudrais simplement dire que, effectivement, l'amélioration thermique de ce groupe, il y en a d'autres, bien sûr, des améliorations, mais j'avais choisi d'orienter le propos sur cette question, prend en compte des facteurs multiples. Tout d'abord, s'appuyer sur les dispositions existantes, comme par exemple la question des vides dans les murs qui, quelque part, deviennent support de projet. S'appuyer également sur les possibilités d'intervention en milieu occupé et également les process que nous avons mis en place de communication auprès des locataires et avec les différents intervenants du projet. Un dernier point, ce projet est aujourd'hui en étude. Il va partir en appel d'offres à l'automne. Il est évident que la concrétisation de ce projet repose sur l'intérêt et l'engagement des entreprises au regard de ce type d'intervention, avec comme objectif premier la durabilité et la qualité à la hauteur de la valeur de ce patrimoine. Bonjour, Thierry Lombardi, agence Architecture 54, on vient de Marseille. Et Pascal Bartoli. Donc je vais vous présenter, pardon, je vais un peu vite, la résidence Athéna et Athéna Port à Bandol. Je vais faire une courte présentation et Thierry prendra ma suite pour expliquer un petit peu notre intervention sur l'un des deux bâtiments. Donc, tout d'abord, pour se présenter, nous sommes architectes à Marseille et aujourd'hui, j'interviens, nous intervenons à plusieurs titres. Donc, d'abord, en tant qu'architecte maître d'œuvre de la réhabilitation des façades d'une des deux tranches de cette résidence, mais aussi comme habitant de cette résidence, puisque j'ai eu la chance de passer mes vacances dans cette résidence depuis 30 ans. J'interviens également en tant que chercheur du laboratoire IGNAMA et doctorante, puisque j'ai soutenu ma thèse sur les ensembles résidentiels de vacances des Trente Glorieuses dans le Var, Athéna étant un des édifices analysés et qui se donnait l'objectif de démontrer comment ce type d'opérations ont pu être expérimentales et des bases d'innovation pour le logement plus classique.
Donc j'interviens encore en tant que membre de la commission des sites du Var, Athéna étant désormais en site classé, ce qui permet en fait aussi de contrôler le devenir de cette résidence en copropriété. Donc on n'est pas comme les exemples précédents dans du logement social. Ici on est dans une résidence de vacances, une copropriété qui n'a pas les soucis de budget que peuvent se poser d'autres copropriétés qui sont plutôt à titre plus social. Donc la résidence Athénaport et Athéna, c'est un projet de Jean Dubuisson initié en 1963. Donc à terme, elle comptera 478 logements, 218 dans la première tranche et 260 dans la deuxième tranche. Donc l'état du site lorsque Jean Dubuisson le découvre en 63. Donc pour avoir échangé avec Jean Dubuisson, puisque j'avais fait un mémoire de fin d'études sur Athénaport, et Jean Dubuisson a pu encore témoigner de son attachement à cette résidence. C'est une opportunité pour Jean Dubuisson de travailler au bord de la Méditerranée sur un site magnifique et de renouveler un petit peu son écriture architecturale, puisque c'est une de ses premières interventions dans le Sud et sur un programme plus ludique que ce qu'il a l'habitude de faire. Donc les premières esquisses de Dubuisson, il essaye de travailler avec le paysage et sur un dédale de terrasses habitées avec un bâtiment signal. Donc un type hôtelier assez classique et des velléités de travailler la pente et de travailler le paysage en l'architecturant. Donc très vite, on voit apparaître des types assez moderne, comme ces logias que Dubuisson imagine dès le départ, puisque c'est un des premiers croquis de conception que Dubuisson imagine en décaissé par rapport au logement pour permettre de préserver la vue à l'intérieur des appartements. Et l'idée donc de travailler sur des cellules qui sont répétitives, sachant qu'on aura quelques appartements qui vont déroger à cette répétitivité dans les abouts du bâtiment. Donc l'inspiration et un petit peu les images que Dubuisson va reprendre dans ce projet, c'est le musée des arts et traditions populaires, avec cette idée de confronter la grande hauteur avec des parties beaucoup plus plates et étendues. Bon, on verra que finalement le projet va aboutir différemment. Donc on a toute une série de maquettes qui montrent l'évolution de ce projet avec l'idée de se terrer dans le site. Puis une première tranche qui sera finalement réalisée, mais sans la partie nord du Y. Donc finalement, le promoteur fera volte-face au tout dernier moment, mais en tout cas, le premier dépôt de permis de construire, c'est ce projet.
donc avec une large barre orientée est-ouest sur le sommet de la colline et qui sera un petit peu en retrait par rapport à ce que Dubuisson imagine dans les premières esquisses, de manière à s'effacer dans le paysage. Voilà, donc des photos de maquettes qui sont aux archives de l'IFA. Le fond sur cette opération est très important et très riche, et ce qui nous a permis vraiment de comprendre toute la genèse de ce projet. Donc les cellules répétitives avec dans la pointe du projet le mécanisme de trame qui se retourne et qui va permettre de créer des appartements différents. Voilà le projet final avec toute une série de terrasses jardins qui ne seront finalement pas réalisées. Et la perspective du projet qui, on va le voir, qui a réalisé avec beaucoup de fidélité. Donc, il appelle son ami Pierre Gariche pour dessiner le mobilier et les aménagements de la partie hôtelière de l'édifice. Donc, Pierre Gariche va finalement réaliser toute une série de meubles qui sont également présents dans la station de Flaine. Voilà, donc les logements sur la plaquette de vente avec finalement des studios qui sont assez petits, qui font 33 mètres carrés sur une trame de 3 mètres 60. Et quelques appartements qui sont différents. Donc dans les bouts de la barre, on va avoir une différence de logement. Voilà, donc une publication de la résidence à sa livraison. Voilà, c'est un système assez simple de coffrage tunnel en béton, avec des séparatifs d'appartements, et tous les aménagements intérieurs et séparatifs sont faits en bois, avec un dessin qui est très intéressant, qui est très tramé, mais qui s'est avéré finalement assez fragile. Donc voilà l'immeuble aujourd'hui, avec toutes les dégradations des années d'utilisation. Mais finalement, donc cette première tranche de Jean Dubuisson résiste assez bien aux modifications que peuvent apporter les copropriétaires sur les parties visibles. Donc les stores sont en retrait des volets roulants existants, de même que tout ce qui est fermeture des logias, qui est un petit peu le thème récurrent dans ce type de copropriété, qui finalement sont de fait très en retrait par rapport à la typologie de l'édifice et ses volets roulants qui étaient existants et qui permettent de préserver la façade de toutes les choses qu'on peut y ajouter. Donc sur la deuxième tranche, Jean Dubuisson va à nouveau produire énormément, donc avec encore une quantité de maquettes. Donc je passe assez vite, mais on commence à voir naître la deuxième tranche avec cette idée d'avoir un bâtiment mono-orienté sud. En même temps, il va travailler sur une autre réalisation à Bandol, qui sont les Katikias, donc à l'opposé de la ville. Et sur les Katikias, c'est un peu une opération jumelle, puisqu'on va retrouver les mêmes bandeaux et les mêmes façades
Finalement, aujourd'hui, les copropriétés rencontrent les mêmes difficultés. Voilà, donc je passe sur cette résidence. Voilà enfin le projet d'Athéna Port, qui est un projet assez atypique dans l'œuvre de Dubuisson, puisqu'il va se confronter donc, à une mono-orientation et à une façade un petit peu en relief, donc avec ces loggias préfabriqués qui sont appliqués. Pardon, une sur deux sur la façade et qui crée des variations de qui crée des variations un jeu d'ombre et de lumière et qui permettent de jouer avec le de casser un petit peu la régularité d'une telle façade. Alors le souci de cette façade là c'est qu'elle va s'avérer beaucoup plus fragile aux modifications du temps et qu'elle est très présente et beaucoup plus difficile à accepter en termes d'architecture. Alors aujourd'hui, c'est en train de changer, mais dans les années 80, Athéna Port, c'était vraiment Sarcelles-sur-Mer dans l'esprit des habitants. Il y a beaucoup de gens qui disaient à Athéna Port, c'est bien quand on est dans les appartements, mais vu de la mer, c'est très embêtant. Donc, je passe sur les logements. Donc, le bâtiment a sa livraison. Donc, pour cette partie, Dubuisson va opter non pas pour des volets roulants, mais pour des volets qui sont coulissants, pliants. Les deux premiers niveaux, donc avec des appartements atypiques en duplex, avec des menuiseries en bois noir en retrait, alors qu'aux étages, les menuiseries sont en aluminium et donc très en retrait des loggias. Voilà, donc on a en l'état d'origine. Une façade qui est assez riche parce qu'elle joue extrêmement bien avec la lumière. On a beaucoup de creux dans sa partie basse, ce qui lui évite une certaine lourdeur de fait de ses proportions. Et voilà, un jeu sur les volets fermés ou ouverts. Donc, qui crée ce dessin très atypique. Alors, dans les années 80, la résidence va connaître son premier ravalement, puisqu'elle est très exposée aux embruns. Et donc, il est choisi de faire une peinture beige de rehausser les parties qui étaient autrefois en noir en beige un peu plus foncé. Le beige comme aboutissement de la pensée provençale quand même. Il faut savoir que le noir et blanc dérange dans le sud de la France. Donc le rose, le beige et le marron sont les couleurs locales. Voilà. Donc à noter également, et ça c'est encore un symptôme de la copropriété, que la femme du président du conseil syndical va demander à ce que les stores changent de couleur. Donc on n'aura plus l'obligation de poser des store bans de couleur jaune, mais cette fois-ci blanc et marron. Ce qui fait qu'on a passé des années avec des stores des deux couleurs qui vont pas forcément très très bien ensemble. Donc, ce qui nous amène en 2001 avec une nouvelle campagne de réhabilitation des façades et un projet, alors là, qui est catastrophique. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, mais on a eu le choix entre quatre façades qui étaient à chaque fois très colorées, qui étaient censées fondre le bâtiment dans son environnement. Mais qui n'en avait pas du tout, qui était catastrophique.
Et donc, une lutte s'est engagée avec certains copropriétaires, Alain Calvi, architecte enseignant, qui est également copropriétaire, pour essayer d'arrêter ce projet. Donc, on a eu le soutien de l'école d'architecture également, avec une pétition qui a tourné et qui a permis d'arriver jusqu'au niveau du maire, qui a consulté l'architecte des bâtiments de France pour donner un avis sur la déclaration préalable, alors que ça ne rentrait pas à l'époque dans son champ d'action. Mais le maire s'est dit, après tout, pourquoi pas demander l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qui a demandé à ce moment-là une réhabilitation de la façade à l'identique. Donc, ce qui était le cas en 2002, on a remis la façade dans son état d'origine. Entre-temps, la problématique des fermetures des loggias, d'ajout de volets roulants, a beaucoup modifié son aspect. Disons que l'histoire de ce ravalement de 2001, c'est une espèce de rupture, en fait. On est dans un continuum où on passe d'un patrimoine qui est collectif à des initiatives qui sont personnelles. C'est-à-dire que ce qui est très différent de l'exposé de tout à l'heure, où on voit que c'est du logement social qui a été pensé de manière vertueuse dès le départ, qui est mis entre les mains d'architectes avec une vraie pensée sur le patrimoine, qui travaille aussi avec un bon maître d'ouvrage et des bons partenaires. On est dans un processus qui est très vertueux. Là, on est dans une résidence qui est privée, qui est une résidence secondaire, donc qui est vide quasiment 80% de l'année. La plupart des propriétaires habitent Paris ou Lyon, donc sont complètement désintéressés de ce patrimoine. Qui plus est, architecturalement parlant, on va dire dérange un peu quand même, puisqu'on est en Provence, et qu'en Provence, c'est les toits en tuiles et les enduits beiges. Et là, on a un bâtiment qui est très fort, qui est très dessiné, qui est très graphique et qui est noir et blanc. Donc, forcément, par un délitement de la pensée, on se retrouve avec des acteurs locaux qui sont pas forcément les plus appropriés à faire des propositions et à dire que le bâtiment, ben, on va le rénover, on va le passer en beige, on va faire un dégradé de couleur. Et puis, puisqu'on aime finalement le narratif, on va mettre une fresque de Poséidon sur le grand pignon côté sud. Ça a été proposé quand même. Voilà. Et ça a été rattrapé effectivement par Pascal, par Calvi, en disant ce patrimoine est un patrimoine collectif, il appartient à l'histoire de l'architecture, on doit le remettre à sa place. Voilà. Et ça a été une vraie difficulté, parce que c'est très mal perçu par les copropriétaires. Le copropriétaire considère que parce qu'il est chez lui, parce qu'il est propriétaire, ben il a le droit de faire ce qu'il veut, et que comme on est dans une copropriété privée, le petit quorum qui pilote le syndic, à la limite, a tout pouvoir pour prendre des décisions. Et si vous ne venez pas enrayer ce dispositif, c'est irrattrapable. Alors, donc, on a été consulté en 2005 pour... On n'a pas été consulté. Alors, je fais une parenthèse parce que faut savoir que le travail de Dubuisson est essentiel, enfin, et notamment Athéna Port, Athéna Résidence et les Katikas, qui est l'autre résidence qui est sur les hauteurs de Bandol, c'est pour nous une source d'inspiration permanente. C'est-à-dire qu'on est fou amoureux de son travail. C'est un travail sur l'horizontalité, sur le linéaire, c'est une force graphique permanente qui est protégé par une maîtrise du détail incroyable. C'est-à-dire qu'on va regarder justement comment sont conçus les immeubles, mais pour que le graphisme de la façade soit protégé, il n'y a absolument aucun élément perturbateur. Tout est encastré, il n'y a pas de garde-corps, les descentes d'opuvial sont cachées, il n'y a aucune lecture des joints de dilatation en façade pour justement ce respect de la trame. Et Dieu sait si sur un bâtiment de 200 mètres de long, c'est complexe de faire disparaître les joints de dilatation, mais il y a un vocabulaire technique qui est très maîtrisé par Jean Dubuisson. Et on va dire que ce sont des bâtiments qui ne souffrent pas la médiocrité. Donc il faut absolument que tout soit respecté pour que le bâtiment soit le plus pur possible. Campagne 2001-2002 de travaux sur Athéna Port, qui aboutit par la force des choses et par le travail d'un petit nombre de personnes à revenir aux couleurs d'origine. Athéna Résidence, donc cet immeuble-là, à l'époque, lance une nouvelle campagne de ravalement,
Alors, on est dans un cas qui est un peu particulier, puisque l'immeuble a été moins dénaturé que celui qui est en bas de la propriété. On est sur une trame graphique qui correspond à peu près à ce qui a été fait à l'origine, puisqu'on a déjà le haut vent, donc la grande plaque, la structure métallique qui protège l'entrée, qui est toujours noire. On a les façades avec ce travail graphique sur des bandeaux gris, des bandeaux noirs et des bandeaux blancs. Donc on n'est pas... Le bâtiment n'a pas été dénaturé, sauf que le risque existe toujours. On n'a pas été consulté du tout, puisqu'on n'est pas spécialisé en rallonge de façade. En revanche, on habite dans la résidence. À l'époque, on exerce à Bandol. Et dans la continuité des travaux avec la DRAC, on dit, voilà, à un moment donné, il faut que quelqu'un qui soit soucieux de ce bâtiment s'occupe du rallonge de façade. Donc on s'est proposé pour entrer en contact avec le syndic. À l'époque, il y a un syndic qui est basé à Marseille. Qui n'a pas du tout notion de ce que peut être le patrimoine et ce que peut être ce bâtiment. Et on propose nos services pour le ravin de façade d'Athéna. Donc on démarre en fait, on obtient, non sans se battre, la mission pour s'occuper de ce ravin de façade qui est un travail uniquement sur les parties extérieures, donc sur les quatre façades et uniquement les façades bâties, pas les menuiseries, et c'est un sujet parce que effectivement, ce que vous avez démontré tout à l'heure, c'est que une parfaite opération, c'est quand on arrive à travailler sur les parties maçonnées, y compris sur les parties vitrées, et encore plus si on arrive à travailler par l'intérieur pour les suggestions d'isolation thermique. Et là, en l'occurrence, on parle que de mettre de la peinture sur des parties maçonnées. Donc le sujet est assez complexe, et on démarre notre inventaire du bâtiment. On ressort évidemment tous les outils historiques en notre possession, les perspectives, les élévations des façades, pour justifier le dessin, pour montrer que le dessin de la façade est vraiment composé et qu'il faut le respecter parce que c'est un sujet. Et on commence l'inventaire de toutes les pathologies techniques, les pathologies sociales. C'est-à-dire que on se rend compte que le bâtiment a été très lourdement modifié, puisque la plupart des loggias qui étaient des loggias ouvertes sont devenus des loggias fermés, donc rajout de menuiserie, rajout de garde-corps en façade, c'est ce qu'on voit sur l'image qui est en bas à gauche. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure le détail, mais on a des loggias qui sont surbaissés par rapport au niveau intérieur. Un, pour dégager les vues intérieures depuis l'intérieur de l'appartement, mais deux, pour éviter tous les garde-corps. On a ces bandeaux pleins sur toute la longueur de la façade, où on n'a pas d'éléments rapportés. Sauf que, en modifiant les loggias pour créer de la surface habitable, on met des menuiseries. Pour créer de la vraie surface habitable, on se met dans la continuité du niveau intérieur de l'appartement, donc on remplit les loggias fermés. Du coup, on se retrouve avec un garde-corps qui fait 40 cm de hauteur, d'où risque. On dit, oh, les architectes, quand même, ils nous créent des immeubles qui sont dangereux. On va rajouter des garde-corps. Et on rajoute des garde-corps, et c'est chacun, toujours l'initiative personnelle, qui va commander à Bernard, l'aluminier de Bandol, ou Jean-Michel, l'aluminier de Toulon, un garde-corps. C'est-à-dire que chacun fait son propre garde-corps. Chacun change. Avec des techniques de fini partie. J'étais pas là, il est passé, il a posé, c'est pas ma faute. Voilà, et on se retrouve en 2005 avec un immeuble avec d'abord des façades qui sont délavées et abîmées. On a des problèmes de carbonatation des bétons. C'est ce qu'on voit. On a fait intervenir le LERM pour faire des essais, pour vérifier. C'est les essais ponctuels qu'on a sur le bandeau blanc en bas, là, pour voir quel était l'état de carbonatation, savoir s'il y avait nécessité de décrouter, parce qu'on est quand même sur des panneaux préfabriqués en béton. Donc les enrobages des aciers sont très fins. Comme l'a dit Pascal tout à l'heure, on est proche de la mer, donc c'est une résidence qui est à risque. Donc voilà, état des bétons, état des couleurs d'origine, on a des cloques, on a pas mal de choses, et on a des garde-corps rapportés partout, et des volets roulants qui ont tous été changés. Alors on le voit bien sur la photo de droite, les volets roulants d'origine sont des volets roulants en bois, et nombreux ont été changés en PVC, souvent dans des couleurs proches de l'origine, donc le marron foncé, donc ça a plutôt été une bonne initiative. Il y en a certains qui ont été faits dans des couleurs complètement différentes, ça c'était un autre problème. Donc on a... Tu peux venir là. Oui, on a... Alors je fais volontairement une parenthèse aussi sur ce sujet-là, parce que il faut savoir que, je ne sais pas comment ça se passe dans le reste de la France, mais dans le sud de la France, quand on parle de ravalement de façade, ce sont des missions de maîtrise d'œuvre qui sont ultra light. C'est très mal rémunéré.
On n'est absolument pas payé pour dessiner le bâtiment. D'ailleurs, on n'a pas les archives, généralement. Le syndic ne les fournit pas. Et globalement, il suffit de faire une prescription. On est allé plus loin. On a redessiné toutes les façades parce que la composition l'imposait. Et on a proposé ces documents pour soumettre justement la composition de façade d'origine. Voilà. C'est anecdotique, mais l'approche d'un bâtiment, ça part aussi de l'investissement et de ce qu'on décide de mettre dans la balance pour rénover le bâti, et en travaux et en ingénierie en amont. Donc là, on voit une planche d'essai pour comparer les grilles actuelles. Donc je rappelle qu'on est en 2005, on a des grilles d'origine, c'est ce qu'on voit sur la façade ici. On a fait plein de simulations, on leur a fait faire des essais, parce qu'évidemment, toujours le principe d'initiative personnelle, chacun a sorti son gris, chacun a sorti sa couleur. Donc on a été obligé de démontrer que le gris, qui est un gris verdâtre, qui est magnifique, qui permet au bâtiment de se fondre dans la pinède, puisqu'on est vraiment immergé dans une forêt de pins. Donc le gris d'origine permettait d'inclure le bâtiment dans une certaine insertion. Le gris qui avait été fait, alors je sais plus, fin des années 90, était un gris un peu bleuté. Je pense que c'était un des copropriétaires qui avait un contact avec la DCN, donc c'est l'arsenal militaire à Toulon, puisque c'est le gris qui est utilisé pour peindre les bateaux de guerre quand même. Donc on a essayé de leur démontrer que c'était pas forcément la meilleure solution. Grosse problème de pathologie sur les bandeaux noirs, puisqu'ils étaient très délavés. Le combat sur les teintes, ça a été de les amener doucement à choisir OK gris, ce gris d'origine. On a fait quand même 5 échantillons, mais c'est une histoire qui a duré quand même 3 semaines. Non pas cette fois-ci avec les copropriétaires, mais avec l'entreprise, il a fallu se battre pour refaire à l'origine des bandeaux noirs. Aucune entreprise de réforme de façade accepte de faire des enduits. Alors, ils ont une espèce de petite trame avec des coloris en disant supérieur à un indice de réfection ou d'absorption des facteurs solaires. Et globalement, faire du gris anthracite ou du noir, c'est impossible. Il n'y a aucune entreprise qui accepte de le faire. Il a fallu leur faire une décharge de responsabilité que j'ai signée pour qu'ils puissent mettre du noir en étant totalement affranchis de leur obligation d'assurance. Alors, deuxième famille de petits sujets, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le bâtiment est très épuré et que pour ce faire, il y a un ensemble de dispositifs techniques et de détails qui sont très précis. Et je vous le montre ici. Il faut savoir que, en fait, vous avez des appuis de fenêtres en béton armé qui sont ici, avec une rainure ici qui vient accueillir le volet roulant en position fermée. C'est-à-dire que le volet roulant, pour l'hivernage de l'appartement, se ferme, se bloque complètement et protège du vent. Sauf qu'on a du coup stagnation d'eau pluviale à l'intérieur, et on le voit à peu près ici, il y a un petit trou à l'intérieur de cette rainure qui arrive ici, qui est en fait une récupération des eaux pluviales et qui vient ensuite envoyer les eaux pluviales sur la loggia intérieure, qui va venir, il y a une forme de pente, être collectée dans ce siphon, dans une espèce de petit avaloir qui est sur le côté et qui envoie en fait les eaux pluviales ici, dans cet encoffrement en bois que vous avez là, sur chaque poteau, et ce sont les descentes d'eau pluviale de la toiture. Voilà. Donc c'est d'une complexité inouïe. Il faut savoir que quand les copropriétaires, évidemment, ont fermé, ont fermé les loggias, évidemment, ils se sont retrouvés avec une entrée d'eau pluviale qui envoie de l'eau à l'intérieur de la partie habitable. Je pense qu'ils ont dû pester contre l'architecte. Qui est elle-même encoffrée. Qui est encoffrée sous, évidemment, des parpaings, du béton. Enfin, donc, vous imaginez un peu tous les sinistres qu'ils ont rencontrés, surtout ce que ça a généré sur tous les plafonds. Donc, voilà. Donc, nous, on se retrouve avec ce sujet-là. Il faut qu'on trouve une solution. Donc, évidemment, le syndic propose d'aller percer. Ben, finalement, on va rouvrir, parce qu'il faut savoir que comme les copropriétaires ont été gênés avec ces... Ils ont bouché le trou ici. Ils ont bouché les piscettes, ils ont bouché les trous. Donc ils ont dit, il n'y a pas de problème, monsieur, on fait un trou et on fait une piscette et puis on balance l'eau pluviale sur la façade. Ouais, bon, sauf que ça ne participe pas de la logique architecturale d'origine. Donc il a fallu, on a fait faire des devis, parce qu'évidemment, le problème dans ce genre de ravalement, c'est que ce n'est pas une généralité, c'est des cas isolés. Et on a peut-être 10, peut-être 12 loggias qui sont concernés. Donc il faut d'abord entrer en négociation avec le copropriétaire pour lui faire admettre qu'on va intervenir sur sa loggia privée. Et qu'ensuite, on va régler le problème. Donc, on a fait des devis spécifiques pour venir, en partie habitable, rouvrir
ces petits trous de récupération d'eau pluviale, recréer un système de collecte et d'envoyer directement ces eaux, cette fois-ci directement dans l'EP ici. Voilà. Et on a pu solutionner tous les problèmes d'infiltration qu'ils avaient sur les appuis, parce que évidemment que il y avait énormément de sinistres. Donc là, on voit, pour que vous compreniez pourquoi on a des descentes d'eau pluviale dans tous les voiles béton en façade, c'est qu'effectivement, vous avez en périphérie un grand chenot en toiture qui est colossal, et on a une entrée d'eau pluviale à chaque fois qui correspond à la trame structurelle de l'immeuble, et on a ces éléments qui descendent comme ça en façade. Donc on voit ravalement en cours avec donc reprise des supports. Ah, attends, on revient sur la fin. Voilà. Dernier sujet qui est encore sur la notion d'intervention collective et versus personnel. Vous reconnaissez les stores, donc fameuse campagne de stores des années 90, qui est un hommage et à la fois à la Provence et à Buren, puisqu'on a des espèces de rayures blanches et beiges. Et évidemment, comme entre-temps, avec l'entrepreneur, on a fermé la loggia et mis la baie vitrée au ras de la façade, on n'a plus de place pour mettre un store. Donc, ils ont positionné les stores sur les bandeaux. Donc, déjà, esthétiquement, ce n'est pas terrible. Et vous imaginez les sinistres qu'on a eus, les infiltrations. Donc là, on a essayé, dans les concertations d'origine, de dire que ce serait mieux, quand même, de déposer les stores pour pouvoir les remettre à l'intérieur et pouvoir réparer les façades et ensuite rendre un peu plus élégant. Levée de bouclier des copropriétaires qui ont refusé en disant qu'ils étaient chez eux, que les stores leur appartenaient, qu'il n'était pas question qu'ils les démontent. Donc on a été obligé de modifier le marché et on a inclus dans l'offre de l'entreprise la dépose des 15-20 stores qui étaient concernés contre l'avis des copropriétaires. Donc on s'est battu pendant le chantier, on les a déposés contre leur autorisation, on les a stockés, on a dit voilà, si vous voulez les repositionner, vous avez l'obligation de les mettre à l'intérieur des loggias. C'est-à-dire qu'on a été obligé de prendre la main. En fait. Alors voilà, donc on a une somme de petit carnet où on a redessiné les loggias. Proposer une charte pour les gardes-corps. Voilà. Donc là, on avait dessiné des cas de figure où les loggias avaient été rehaussés, remplis de béton, pour dire, voilà, effectivement, le garde-corps n'est plus conforme. On vous propose de faire des garde-corps temporaires que vous mettrez en place quand vous venez passer vos vacances l'été, que vous enlèverez après. Donc on avait mis un système de câbles avec des filets de camouflage. Il y en a certains qui l'ont fait. Voilà. Il y en a certains qui l'ont fait. Ouais. Nous, l'idée, c'était vraiment de revenir à l'état d'origine du bâtiment. Voilà. Et finalement, tout ce travail, c'est pour l'entretien d'une copropriété, un travail du quotidien. Donc, j'ai mis quelques photos intérieures des espaces communs et des coursives qui ont été réhabilités avec des matériaux plus contemporains, des choses plus faciles à nettoyer, mais qui restent dans l'esprit de Dubuisson. Enfin, ça, les tapis sommes, bien sûr, sont les tapis sommes d'origine. Voilà. Et on a attaqué une nouvelle campagne de réhabilitation d'Athénaport. Voilà. Qui est beaucoup plus... qui a remis encore plus le bâtiment dans son aspect originel. Pour conclure, ce qui a été vécu comme une violation du domaine privé quand il leur a été imposé aux copropriétaires d'annuler les couleurs provençales, le beige, et de revenir aux couleurs d'origine, de déposer les stores et de revenir sur des stores jaunes comme à l'origine, ça a été opérant et finalement, les gens ont été obligés de suivre ce cahier des charges puisque ça a été mis en place de concert avec le syndic de copropriété. Et aujourd'hui, le plus grand nombre de copropriétaires reconnaissent que ça a été bénéfique, que l'immeuble est redevenu beau et qu'ils se le sont réappropriés. Et aujourd'hui, ça fait, on va dire, consensus qu'il fallait revenir sur les façades d'origine et remettre en place les coloris et les vocabulaires. Voilà, merci. Eh bien, merci d'abord aux architectes pour cette présentation de deux ensembles effectivement qui ne sont pas dans les mêmes modèles ni sociaux ni économiques, mais qui sont quand même l'œuvre de deux grands architectes rationalistes et sur des interventions donc effectivement
dont quelque part les perspectives se rejoignent. Alors donc, nous accueillons donc Madame Chapoteau, n'est-ce pas ? Donc vous représentez Paris Habitat, qui fut donc, je commence par ce projet, qui est le bailleur social, donc de propriétaire et gestionnaire de l'opération menée sur les bâtiments de Honegger. Et j'aurais deux questions à vous poser. La nature même de la rénovation, telle que du programme qui a été confié à l'architecte, prouve que chez Paris Habitat, il y avait une prise de conscience de la valeur patrimoniale de l'opération. Il a été labellisé quand mais bon, ça c'est pour savoir. Mais surtout, quel est le cheminement chez Paris Habitat, qui gère quand même un patrimoine moderne, conséquent? Quel est le cheminement chez vous qui fait qu'effectivement, est-ce qu'il y a une classification? Comment cette prise de conscience et surtout sa traduction dans la gestion quotidienne et dans la réhabilitation s'effectue ou s'est effectuée? Alors d'abord, nous avons donc chez Paris Habitat une grosse programmation de réhabilitation plan climat donc de l'ensemble du patrimoine, avec des objectifs forts qui nous sont donc qui sont partagés avec la ville de Paris, donc de ramener nos bâtiments avec des consommations inférieures à 80 kWh par mètre carré par an. Donc c'est le postulat de base, je dirais, de travailler sur de la rénovation thermique. Ensuite, rénovation thermique ne veut pas automatiquement dire bardage par l'extérieur avec enduit. Alors, on frémit, hein. Voilà. Donc, puisque naturellement, selon le patrimoine, on a des interventions qu'on partage avec les maîtres d'œuvre pour arriver à améliorer non seulement les consommations thermiques des bâtiments, mais également, et là c'était ce qui était particulièrement prégnant sur l'opération Mohamed-Carrel, sur le confort d'usage des locataires. Parce que ce bâtiment n'est pas si énergivore que ça, je dirais. On regarde, 170 kWh, on passe à moins de 80 kWh. En effet, il y a un gain qui est important. Mais ce qui était surtout prégnant, c'est le problème d'usage, le problème de pont thermique, le problème de façade en fait froide, où les locataires se tenaient à un mètre de la façade pour commencer à habiter leur logement. Donc on a commencé par regarder, puisque naturellement on n'avait pas envisagé de faire une isolation par l'extérieur sur ce bâtiment, et donc on avait des propositions qui étaient des propositions très techniques sur des équipements, de modifications d'équipements en chaufferie, en géothermie, etc. Mais ça ne répondait pas à la problématique du confort d'usage. Ça pouvait répondre à une problématique de baisser les consommations et baisser les charges des locataires, mais absolument pas ce qui avait identifié immédiatement comme étant, quand on rencontrait les locataires, quand je suis chez moi, mon appartement est grand, il est rationnel, bien organisé, comme le soulignait Monsieur Marin, mais je perds un mètre par rapport à la façade dans l'intégralité du logement. Donc, ce sur quoi on a travaillé avec donc le cabinet d'architecte et le bureau d'études thermicien qui l'accompagne, c'est en effet de comprendre la composition du bâtiment constructive et comment ensuite derrière on pouvait arriver à traiter les problématiques thermiques, de pont thermique, de parois froides du bâtiment. Alors aujourd'hui, comme le soulignait Monsieur Marin, on est en phase étude. Nous avons mené donc toute la concertation de concert avec l'équipe de maîtrise d'œuvre pour expliquer aux locataires comment était constitué le bâtiment, parce que quand on les écoutait au départ, naturellement, ils nous disaient « Ah, mais il suffit d'isoler par l'extérieur et tout ira bien ». Donc, naturellement, ça ne fait pas partie du schéma de fonctionnement de Paris Habitat. On est un bailleur social, mais on construit aussi la ville, en fait. Hein. En étant le bailleur de la ville de Paris, on est particulièrement attaché aussi à ces points-là. Donc, tout le travail de concertation et d'accompagnement avec les locataires s'est fait, entre autres, sur de la pédagogie par rapport à la part de l'équipe de maîtrise d'œuvre qui a expliqué, ne serait-ce que par les sondages destructifs, comment était constitué le bâtiment, par où passait l'air et les différentes propositions techniques de traitement justement thermique qu'on allait tenter de mettre en place, comment ça allait pouvoir répondre à ces problématiques d'usage et de confort. Donc ça a été un peu mouvementé puisque nous avons quatre amicales de locataires sur ce site.
et donc qui ne partageait pas toutes les préconisations et propositions d'intervention. Et nous allons en effet intervenir sur ce site en milieu occupé et en isolation par l'intérieur. Donc on ne met pas un isolant intérieur, on insuffle de l'isolant dans les façades, on travaille sur les plinthes isolantes, sur tout ce qui est dormant aussi sur les menuiseries, mais on va quand même on va être relativement intrusif en termes de traitement thermique dans les logements. Donc la deuxième étape, nous avons eu un vote positif en fin d'année, la deuxième étape sera réellement d'arriver à faire les travaux dans les logements tels qu'on les a préconisés. Mais il était, si nous avions eu une opposition, je dirais, des locataires quant à la méthodologie et aux travaux proposés pour arriver à traiter en plan climat cette opération, nous ne serions bien évidemment pas revenus en arrière sur une isolation par l'extérieur, puisque ça fait partie en fait des bâtiments sur lesquels on n'envisage pas, avant même de consulter des maîtres d'œuvre ou les instances architectes des bâtiments de France au ministère de la Culture, on n'envisageait pas de travailler par l'extérieur naturellement. Alors, on a beaucoup de patrimoine HBM qui est très différent. Ah oui, bien sûr. Et sur lesquels on a déjà aussi développé des méthodes de réhabilitation et de traitement en fait thermique des enveloppes en travaillant par l'intérieur. Donc ce qui nous a aussi permis d'envisager sur un bâtiment complètement différent et une architecture différente des années 50 d'essayer de développer les mêmes les mêmes recherches sur comment on peut travailler sur le bâtiment, améliorer le confort sans dénaturer et sans remettre en cause une valeur patrimoniale. Merci. Oui, mais merci pour cette information sur le travail mené avec les locataires, n'est-ce pas ? Parce que tout à l'heure, Pierre Eblin parlait du bottom-up. Est-ce qu'au terme de ce travail, je pose la question aux deux, enfin à l'architecte ou au maître d'ouvrage, est-ce que la prise de conscience des habitants a changé, parce que vous dites qu'au début finalement qu'on ait rechappé tout par l'extérieur, ça n'aurait pas forcément été un problème. Ah, non seulement ça n'aurait pas été un problème, mais ils l'auraient préféré. Ça aurait été plus simple pour eux. Ils y voyaient pas, aujourd'hui ils n'y voient pas non plus une qualité architecturale particulière. Enfin, ils y sont pas particulièrement attachés, j'ai pas l'impression. Ils sont très attachés à leur environnement puisque la résidence est construite dans un parc, dans un jardin. Cet environnement paysager, ils y sont très attachés. Par contre, l'architecture en tant que telle et l'image qu'elle renvoie, j'ai pas noté d'attachement particulier. Par contre, ils ont été très intéressés quand on a eu les ateliers où on leur a où l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre leur a expliqué comment était constitué le bâtiment leur a expliqué les différents modes d'intervention et comment ça allait pouvoir répondre à leurs problèmes d'usage et que faire une isolation par l'extérieur n'aurait sans doute pas répondu au pont thermique et au point de rosée qu'on aurait pu voir du fait de la structure du bâtiment. Donc sur cet aspect-là, je dirais que la concertation et le travail pédagogique autour des modes constructifs et de comment on peut arriver à corriger thermiquement, à améliorer thermiquement, je pense que ça a été positif pour eux. L'image architecturale aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'ils y étaient ou qu'ils y soient encore très sensibles. Oui, je voudrais juste compléter pour dire que bon, j'avais pas d'image à montrer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les bétons dégradés ont été purgés déjà à plusieurs reprises et que les structures sont, comme on pourrait dire, un peu lépreuses et qu'effectivement la perception qu'en ont les locataires est plutôt assez négative. Donc, comme le disait Madame Chapoteau, nous, ce qui nous a évidemment beaucoup tenu à cœur, c'est d'expliquer le pourquoi du comment, c'est-à-dire comment se fait-il qu'un bâtiment qui a 60 ans, un peu plus de 60 ans, 70 ans presque aujourd'hui, comment se fait-il que ce bâtiment s'est dégradé avec le temps, et donc on a essayé le plus possible de montrer le processus de fabrication avec notamment des animations 3D pour expliquer comment s'étaient faites les choses petit à petit pendant le chantier. Et pour bien montrer que certains des éléments fabriqués sur chantier étaient évidemment plus sujets à des pathologies ultérieures, mais qu'en contrepartie, il y avait aussi
des éléments qui, malgré leur âge, étaient dans un état absolument impeccable. Et que c'est un petit peu cette dualité en fait entre les éléments qu'on a essayé on a essayé d'échanger avec eux sur finalement comment s'était fait leur construction et pourquoi on envisageait effectivement de faire cette isolation par l'intérieur qui évidemment leur causera quelques désagréments. Mais qui participe à la tenue d'un ensemble qui, une fois rénové, n'aura plus cette même image qu'il a actuellement. Si je peux vous aussi encore poser une seconde question à vous deux, en quelque sorte. Deux questions d'ailleurs qui s'enchaînent, c'est celle de la mission de l'architecte. Parce que la phase de. Effectivement, dans la prise de conscience qui accompagne le processus vertueux que vous voulez mettre en place, vous souhaitez effectivement que les locataires comprennent pourquoi Paris Habitat va procéder effectivement de cette façon, qui n'est pas forcément celle qui était effectivement attendue par les locataires. L'architecte, il joue un rôle de médiation, puisque vous venez de le dire, il explique le bâtiment, il participe à ce travail de prise de conscience. Donc c'est une mission, ça, que lui seul, finalement, peut assurer. Alors, ça fait partie, en effet, des missions qu'on donne aux équipes de maîtrise d'œuvre qui travaillent sur les réhabilitations du patrimoine de Paris Habitat, qu'on appelle la mission INFCO, qui est primordiale, puisqu'on travaille quand même sur du bâti qui est habité. Donc, on doit aussi avoir en tête et avoir à cœur, en fait, de faire adhérer les locataires au projet qu'on leur propose. Nous avons chez Paris Habitat en fait décidé de, pour l'ensemble de nos sites, de faire voter les locataires, alors non pas sur une image architecturale naturellement, mais sur un projet et sur les incidences financières que ça peut avoir pour eux, puisque sur les réhabilitations thermiques par exemple, on applique ce qu'on appelle la troisième ligne. Donc, dans ce cadre, on fait beaucoup de concertations et d'ateliers de concertation avec les locataires et on demande en effet aux architectes qui travaillent sur les projets de réhabilitation thermique d'être partie prenante dans ces concertations et dans ces informations auprès des locataires. Nous sommes maîtres d'ouvrage, nous ne sommes pas sachants, et c'est vrai que qui mieux que l'architecte peut aller expliquer aux locataires le fonctionnement du bâtiment, les qualités et les pathologies éventuelles, et ensuite les préconisations techniques pour arriver à revaloriser ce patrimoine. Oui, alors j'avoue que dans le cadre de cette concertation, on tremble assez souvent parce que c'est vrai que les amicales de locataires sont parfois assez virulentes. Mais on essaye de mettre en place un process qui fait que, effectivement, comme vous le soulignez, la pédagogie et notre engagement sur cette question doit être communicatif. Sur une autre opération pour Paris Habitat, on avait fait des ateliers dans lesquels on tenait une permanence et on avait tiré des grandes planches des plans d'appartements. Et on expliquait à chaque... Là, sur cette opération, il y avait des modifications typologiques. On expliquait sur plan, avec des crayons à proximité, de plan à grande échelle, on expliquait aux locataires comment on allait transformer leur appartement. Et il se trouve qu'effectivement, sur cette opération, qui a donné lieu aussi à un vote, les locataires ont été assez intéressés par les propositions de modification des typologies. Là, on était en milieu vide, en opération tiroir, et donc le projet a été accepté. Mais sur l'avenue à Moncarel, on a eu très très peur que le projet ne soit pas retenu par les amicales. Mais je pense que ce sont des points importants dans le processus à soulever et à souligner aujourd'hui, effectivement, oui, ce rapport aux habitants, bien sûr.
Je veux juste ajouter autre chose. Il y a la question du vote pour ensuite, en effet, continuer le projet. Mais plus important que ça, il y a les travaux ensuite qu'on va être en mesure de mener donc sur le site et pour lesquels nous sommes obligés d'intervenir, comme vous avez pu le faire donc chez les copropriétaires. Mais nous, on rentre pas chez les locataires s'ils ne nous laissent pas l'accès. Ou alors après, on a tout un tas de dispositifs juridiques qui se mettent en place. Donc il est clair que tout ce qui est concertation en amont et accompagnement de la compréhension du projet par les locataires est primordial si on veut arriver aussi ensuite à réaliser des travaux, d'autant quand ces travaux se réalisent à l'intérieur des logements. Donc, et on est régulièrement confronté à des blocages de locataires. Et sur le site, ce qu'il nous faut aussi, c'est ce qu'on avait étudié sur l'autre opération dont parlait Monsieur Marin, qui était une opération HBM, c'était éventuellement si on avait des blocages de personnes qui ne souhaitaient pas déménager, comment on pouvait avoir un plan, je dirais, alternatif qui nous permettait justement de quand même faire les logements au-dessus, en dessous, en ayant des locataires bloquants. Donc c'est vrai que toute cette pédagogie, cet accompagnement du maître d'œuvre auprès du maître d'ouvrage sur les projets de réa plan climat que nous menons, elle est là aussi pour faire adhérer et faire comprendre le projet aux locataires et nous permettre in fine d'avoir pas uniquement un beau projet en phase d'étude, mais et également de pouvoir le mener jusqu'en fin de réalisation. J'aurais une autre peut-être série, une autre question qui porterait cette fois sur la nature du travail de rénovation, du travail de l'architecte à poser, mais peut-être avant, parce que je pense une question qui rejoint les deux opérations. Je me retourne vers nos amis de Bandol avec une première question. Non, c'est le mot locataire bloquant qui fait la transition. Hein. Voilà, du locataire bloquant à l'habitant bloquant. Merci pour ce. Je connaissais pas le terme d'ailleurs. Je suppose que ça, s'il existe, c'est qu'il est utilisé au sein de Paris Habitat. Voilà. Donc sur la question du propriétaire bloquant. Voilà. Alors nous, la chance qu'on a eue, c'est que sur le sujet propriétaire bloquant, on est rentré dans les appartements pour des sujets avec des sinistralités très importantes. C'est-à-dire que l'intervention sur l'intérieur des logias, c'était pour résoudre un problème d'infiltration qu'ils subissaient depuis des années. Donc ils nous ont ouvert la porte avec le sourire. Et pour l'intervention sur les stores, on est intervenu par l'extérieur. On a reçu une volée de courriers plutôt rouges et plutôt désagréables, mais il n'y a pas eu de concertation possible, en fait. À un moment donné, on s'est retrouvé dans une impasse. C'était au cas par cas. Alors, on a soulevé quand même un problème d'économie générale du bâtiment. C'est qu'à un moment donné, on a mis le syndic en porte-à-faux en leur disant que si on n'intervenait pas sur la dépose des stores, qui était fixée quand même dans les parties verticales des façades, on allait de toute façon leur faire un transfert de responsabilité et d'annuler la décennale, puisque en aucun cas on pouvait laisser les travaux de réellement se faire et en laissant toutes les chevilles évidemment qui n'étaient pas faites au scellement chimique. Enfin, c'est quand même des problèmes de pathologie à terme qui étaient lourdes, donc on leur a dit si vous voulez qu'on n'intervienne pas, il n'y a pas de problème. En revanche, vous en portez la responsabilité, vous nous faites des décharges de responsabilité, vous l'écrivez. Et là, à partir de ce moment-là, il y a eu un changement, ils ont commencé à dire écoutez, nous on se fait les porte-paroles des copropriétaires qui refusent, mais il n'est pas question qu'on endosse la responsabilité à leur place, donc on vous donne l'autorisation. Et on a donné en fait le feu vert à l'entreprise pour dire vous déposez et on demandera aux copropriétaires de reposer conformément à notre cahier des charges. Voilà. C'était un peu différent, mais c'était pas. Il y avait un vrai problème d'intervention personnelle, c'est-à-dire que les copropriétaires qui avaient fait ça allaient en l'encontre des règles de pérennité de l'immeuble. C'était pas juste une vision esthétique ou architecturale ou une suggestion d'adhérence au projet. C'est-à-dire, vous êtes intervenu sur la façade, sur un domaine qui ne vous appartient pas, et il faut intervenir. Oui, ça c'était votre point d'entrée finalement, par le droit quelque part. Oui. Bien sûr. Le problème de la notion de responsabilité, parce qu'on parle d'architecture aujourd'hui, mais il y a une notion de risque quand même. Oui. On rénove l'enveloppe d'un bâtiment, vous parlez des points de rosée, l'amélioration thermique d'un bâtiment, ça parle de ça aussi. On est tous, quand on est maître d'œuvre, on s'expose, donc on s'expose d'abord à ce problème de concertation et d'adhésion des habitants au projet, ok. Mais on est aussi responsable pendant 10 ans de nos ouvrages. Ça veut dire qu'à un moment donné, on se retrouve en porte-à-faux et que l'arrêt
de concertation, quand on se retrouve bloqué parce qu'il y a des sujets qui ne sont pas acceptés, ça nous met, nous, en porte-à-faux aussi. Parce qu'il faut savoir, de temps en temps, forcer le barrage en disant, voilà, si vous voulez qu'on finisse ce chantier et qu'on impose des responsabilités, il faudra qu'on fasse ce que nous, on a proposé de faire. Voilà. Oui. Oui, je rebondis aussi pour dire que la pédagogie par rapport à l'architecture est très importante pour les locataires et les copropriétaires. Et grâce au label patrimoine du 20e siècle. Il a été donné quand, au bâtiment ? Alors, il a été donné, je pense, en 99, en fait, pendant la première campagne de labellisation. C'était passé un peu... assez facilement, les copropriétaires, là, c'était pas trop, n'y avaient pas porté trop attention. Donc après, il y avait eu des réticences puisque ils avaient très peur de que ça devienne une contrainte. Que ça devienne une contrainte. Ça on l'entend toujours. C'est intéressant. Et finalement, il y a eu un basculement de contrainte. C'est passé comme une valeur ajoutée, y compris économique, sur leurs biens. Et après, évidemment, pour certains, c'est pas pour tous, mais le souci, c'est qu'on a aussi beaucoup de nouveaux copropriétaires qui arrivent, qui connaissent pas la résidence, qui connaissent pas tout le contexte et qui interviennent assez lourdement sur des parties communes, notamment en modifiant leur porte d'entrée ou la question des stores et des baies vitrées. Et donc, je pense que la pédagogie, nous, on l'a fait en interne puisqu'on est également copropriétaire, mais c'est vraiment la clé pour réussir à faire adhérer les habitants à une qualité architecturale. Oui, vous êtes intervenu sur l'immeuble, sur l'ensemble, donc par le biais du syndic, qui était finalement votre donneur d'ordre, enfin le représentant des donneurs d'ordre. Est-ce que c'est pas ça la clé, ce serait de garder la relation avec lui? Non, mais c'est vrai que ce cas est intéressant. C'est avec Richard qu'on l'avait programmé, précisément parce que ça pose le problème des copropriétés, c'est-à-dire le problème qui est plus complexe que celui de l'habitat social, en effet, bien sûr. Donc l'interlocuteur qu'on pourrait à long terme conseiller. Alors la synthèse de tout ce qu'on a entendu ce matin et ce qu'on entend dire, c'est que d'abord la réussite d'une opération, c'est c'est et le travail de la maîtrise d'œuvre et le travail de la maîtrise d'ouvrage. Il n'y a pas de bonne opération sans bonne maîtrise d'ouvrage. Dans le cas d'une copropriété privée, effectivement, on a un petit quorum, on a entre 6 et 10 personnes qui représentent les copropriétaires, qui du coup font les échanges permanents avec le syndic. Donc en général, ces gens qui sont, j'ai plus le terme en, mais bon, le bureau des copropriétaires, le conseil syndical, merci. Voilà. Donc le conseil syndical, généralement, c'est l'émanation de ceux qui sont le plus soucieux du bâtiment et qui vont souvent, pas toujours vrai, mais qui vont souvent dans le sens de ce qu'on est en train de dire. Un souci architectural, un souci patrimonial et une volonté de bien faire. En revanche, le syndic lui-même, par contre, est souvent, je dirais pas défaillant, parce que le terme est assez négatif, mais n'est pas compétent en matière d'architecture, n'est pas compétent en matière de maîtrise d'œuvre, et n'a pas cette sensibilité sur le patrimoine. Et du coup, on va dire que c'est une équation avec plusieurs entrées et il faut avoir la chance d'avoir peut-être un syndic à l'écoute qui va laisser un peu faire les copropriétaires qui sont animés de bonnes intentions et qui vont s'octroyer les conseils d'un maître d'œuvre qui est sensibilisé à l'architecture. Parce que si dans le dispositif vous mettez aussi des copropriétaires qui sont pas du tout sensibles à l'architecture du bâtiment dans lequel ils vivent, si vous mettez autour de la table un maître d'œuvre qui n'a aucune sensibilité sur le patrimoine du XXe siècle, et Dieu sait s'il y en a, et si vous mettez à l'articulation de cette équipe-là un syndic qui n'a que le souci de faire attribuer un marché à une entreprise de peinture sur un rame façade, c'est fini. Le bâtiment, il est mort. Et c'est ce qui s'était passé dans les années 90. Donc, c'est une chaîne vertueuse et elle est ultra complexe parce que on est tous là aujourd'hui pour aborder ce sujet parce qu'on est animé des mêmes intentions. On est une minorité.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Sur ce point, sur les deux opérations que vous avez présentées, et je poserai la question d'ailleurs au maître d'ouvrage ensuite, elles relèvent un long travail mené par les architectes, effectivement, pour non seulement être empathique avec le système constructif, mais même pour se glisser à l'intérieur, hein, pour recomprendre le métabolisme de l'immeuble. Dans la circulation de l'eau, la circulation de l'air, c'est un long travail. Assez récemment, on a eu l'occasion ici de réécouter l'Hackathon Vassal sur les opérations, vous savez, de rénovation en l'état de Bordeaux Grand Lac, et Frédéric Druyot disait, parlant du travail, c'est une autre économie du temps. Parce que le paradoxe, finalement, quelque part, de ces architectures qui furent construites rationnellement, peut-être parfois parce qu'il fallait aller vite, et bien, c'est qu'en fait, on s'aperçoit quand on les rénove qu'il n'y a pas de rénovation rationnelle. On n'est pas dans les mêmes processus de construction rapide et industrialisée. On retrouve l'économie de la rénovation, c'est-à-dire qui est du point par point, de la minutie. Et ça, c'est du temps. C'est du temps d'études, c'est plus d'études, c'est plus des chantiers plus longs, c'est plus d'argent. Alors, comment on fait ? Alors, quand on a la chance de travailler à Paris et de réhabiliter le patrimoine de Paris, on a la chance d'avoir une collectivité locale qui est fortement présente dans ses subventions pour travailler sur le patrimoine. Ça, c'est une réalité. Pour avoir travaillé chez un autre bailleur, il est clair que un gros bailleur qui était 3F, donc c'est pas non plus un petit bailleur, il n'y a pas de financement aujourd'hui. Ce qu'on appelait les padulos dans le temps qui finançaient les réhabilitations d'immeubles n'existe plus. Et donc, si on n'a pas une collectivité locale ou territoriale qui est fortement mobilisée sur cette problématique, on n'a pas de financement et donc le maître d'ouvrage se retrouve un peu seul avec des prêts, soit des prêts qui peuvent être bonifiés en fonction des économies d'énergie, des exonérations de TFPB pour des mises en accessibilité PMR, des choses comme ça, mais ça ne fait quand même pas l'équilibre de l'opération. Plus, je peux peut-être vous refaire un petit cours aussi sur la loi Elan et sur, si vous voulez, qui baisse les capacités d'autofinancement donc des bailleurs sociaux de plus de 50%, puisque l'État donc a prévu une baisse des APL et en contrepartie, pour que les locataires ne soient pas trop précarisés financièrement, demande donc aux bailleurs sociaux de mettre en place également une baisse des loyers. Donc, comme un bailleur social, je dirais que 90% de ses recettes, si ce n'est pas plus, viennent des loyers donc, de ses locataires, naturellement, quand on baisse les recettes d'un bailleur, on baisse sa capacité d'autofinancement et sa capacité à engager des réhabilitations d'envergure. Et aussi, l'autre corollaire, mais là je prêche pour ma chapelle, puisque moi je m'occupe du service de réhabilitation de Paris Habitat, je ne m'occupe pas de la construction, mais ça met aussi à mal la capacité d'investissement des bailleurs sur tout ce qui est construction et accroissement de l'offre de logement. Donc, ceci étant posé, ça va en effet engendrer des difficultés de financement chez une grande partie des bailleurs, puisque nous, sur un plan de financement d'une opération du type de Morat-Moncarel, on a, du fait de la participation de la ville de Paris, on a une grosse partie, tout ce qu'on appelle requalification extérieure, amélioration de qualité de service, on est financé à 25% du prix de revient, donc ça fait une subvention qui est quand même non négligeable. Ensuite, tout ce qu'on fait sur les travaux de tout ce qui est amélioration de l'accessibilité PMR, on a aussi des exonérations de taxes foncières sur les propriétés bâties, et on parle aujourd'hui de problématiques thermiques, mais la problématique de vieillissement des populations dans le parc social et d'accessibilité, de rendre les bâtiments accessibles, est aussi une préoccupation qui doit être prégnante pour les bailleurs sociaux, parce qu'on ne verra pas toutes les personnes âgées dans des EHPAD, hein, ça sera pas possible, et c'est pas souhaitable non plus. Donc c'est vrai qu'on a aussi, parce que
sur ce patrimoine en fait moderne, on se rend compte que on a construit des ascenseurs, mais on a systématiquement trois marches avant de rentrer dans le hall. Les ascenseurs sont en demi-palier, donc je pense que c'est des notions d'économie à l'époque qui font que on n'a pas l'ascenseur sur la première volée d'escalier, mais on l'a sur la seconde à mi-palier. Donc toutes ces problématiques d'accessibilité des bâtiments. J'ai un peu perdu le fil de la question, mais c'est pas grave. Sur la reconnaissance aussi. Sur la reconnaissance du temps d'étude, à partir du moment où il faut qu'on ait on mène en parallèle le temps d'étude et le temps de concertation avec les locataires, qui est aussi un temps long et qui se répond avec le temps d'étude et les propositions qui peuvent être faites par la maîtrise d'œuvre. Donc il est sûr qu'on ne mène pas un projet de réhabilitation mot Armand Carrel en faisant des études qui dureront 6 mois avant l'appel d'offres. On le sait pertinemment, on l'intègre dans nos plannings. C'est plus compliqué à faire entendre aux locataires. Ou quand on les associe dès l'amont et on fait des premières réunions publiques très très en amont, et quand on leur dit, écoutez, on va être sur 1 an et demi d'études, 2 ans peut-être, le temps de lancer l'appel d'offres, puis après derrière, on sera entre 2 et 3 ans de chantier. C'est vrai que là, on a quand même une certaine incompréhension de la part de nos locataires. Néanmoins, ils se souviennent tous des travaux qu'on a fait dans les années 90 avec les paluloses dont je vous parlais tout à l'heure, où là, on était beaucoup moins sur l'accompagnement et sur les exigences qu'on pouvait avoir auprès des entreprises sur la méthodologie d'intervention en milieu occupé, sur le nettoyage des logements, sur l'écoute des problématiques et de malfaçons qui pouvaient se faire. Donc ils savent tous nous parler de ces problèmes-là, donc ça nous donne aussi des arguments. Ça vous fait un bon repoussoir. Voilà, c'est ça. Ils ne peuvent que mieux faire. Donc on est sur un temps long, on l'a intégré, nous, dans nos plannings et nos programmations. Tous les architectes sont dans la salle, vont venir vous voir. Hein. Vous êtes préparés? Sur ce temps d'étude, effectivement, nous, à l'agence, ça représente un investissement très très lourd. Mais c'est aussi un intérêt fort et je dirais on capitalise sur la phase importante du chantier. Puisqu'à l'agence, on est très très attaché à ce que le chantier se réalise au plus proche de ce que l'on a imaginé. Et lorsqu'on arrive avec un diagnostic et des projets qui ont été déjà éprouvés à l'aune de tests ou de mise en œuvre préalable, je pense qu'on est beaucoup plus fort puisqu'on fait aussi l'expérience. Je dirais tous les maîtres d'ouvrage ne nous donnent pas cette opportunité et n'ont pas la même conscience vis-à-vis des sondages et des tests préalables. Et donc quelquefois, on part un petit peu avec on part moins armé dans les phases de chantier. Et on se rend compte qu'effectivement, même si on passe, comme je le dis, beaucoup de temps en études, c'est quand même du temps gagné dans la réalisation par rapport à des opérations. Oui, bien sûr, bien sûr. Où on n'a pas cette possibilité de réaliser des études aussi abouties. Oui. Sur question du temps, dans un environnement maîtrise d'ouvrage moins favorable. Dans les copropriétés, c'est souvent des bureaux d'études qui, eux, ne gèrent que les pathologies qui sont mandataires des études et qui prennent accessoirement des architectes pour gérer éventuellement les colorations. Sur les labels 20e, en tout cas ceux que j'ai étudiés, j'ai souvent le cas de confrères qui me contactent parce qu'ils bouclent rapidement un tout petit dossier d'études dans le cadre de ces petites missions. Et c'est absolument pas... moi, je les aide autant que possible, mais ce n'est pas des gens qui sont formés à la recherche. C'est des missions qui sont tellement minuscules que finalement, ils n'ont pas la possibilité d'étendre, comme on l'a fait sur Athéna, les investigations. Et c'est très dommage parce que souvent, ils passent à côté vraiment de tout l'intérêt patrimonial
de ces édifices. Je voulais soulever également la question des matériaux, puisque d'ailleurs c'est notre syndic d'Athéna qui en parlait à la dernière réunion de copropriété. Donc dans toutes ces bâtiments qui sont construits dans les années 60, ont utilisé de manière très importante des matériaux industrialisés qui ont tendance à disparaître, et notamment à Athéna on a toutes les coursives des appartements qui sont revêtus de tomettes 7-15 en terre cuite, et apparemment ces tomettes n'existent plus. Donc il faut savoir qu'on a quand même 1,2 km de coursives en tomettes, et le syndic soulevait la question. C'est ces tomettes qu'on voit partout, hein. Donc je pense qu'il y a des dizaines et des dizaines de copropriétés qui les ont utilisées, en tout cas à Bandol je peux vous en citer. Il faut rouvrir les filières. Voilà, je peux vous en citer plusieurs dizaines. Et donc notre syndic nous disait on ne trouvait plus ces tomettes qui nous permettent de faire des réparations ponctuelles quand il y a des dégâts des eaux ou des problèmes de casse, et on ne trouve plus ces tomettes. Donc il a retrouvé un stock chez un marchand de matériaux à Saint-Raphaël, et il a racheté sur un fonds d'urgence tout le stock pour avoir quelques années d'avance. Mais qu'est-ce qui se passera quand ce stock sera épuisé? Et je pense que il y a peut-être un réseau des copropriétés qui peut se mettre en place pour relancer certaines fabrications, peut-être sur des fabrications limitées, mais en tout cas qui permettraient aux copropriétaires de retrouver facilement ce type de matériaux ou des équipements qui ont été produits en série dans les années 60, mais qui disparaissent alors que c'est des choses extrêmement simples. Il y a une grande réflexion en Belgique là-dessus, hein, sur le recyclage des matériaux de construction. C'est Rotor aussi, la jeune équipe de Rotor. Parce qu'il faut, il faut qu'elle soit aussi acceptée sur les nouveaux chantiers. Il faut qu'elle soit jugée aussi performante. Et c'est un vaste, c'est un très intéressant sujet. Je vous propose qu'on peut-être on donne la parole à la salle, parce qu'il y a certainement des questions à poser sur ces deux très belles opérations. Oui, pardon. Une question difficile à poser, mais peut-être plus facile à répondre. Je pars de deux constats et puis ma question. La première, premier constat, c'est dans l'atelier, quand les jeunes viennent frapper à la porte, un de leurs mobiles est de dire « j'aime faire de l'architecture parce que j'améliore les choses ». Par exemple, transformer quelque chose, c'est pour l'améliorer. Donc il y a une espèce de statut de l'architecture qui transcende les lieux, en tout cas qui augmente la qualité. La deuxième chose, c'est que j'entends à travers les orateurs de ce matin qu'il y a une notion de combat, que c'est pas facile à obtenir les résultats qui sont les vôtres, et quelque part c'est particulièrement combatif, hein. Il y en a qui s'expriment très bien sur la question. Or la notion de combat est totalement portée par la modernité. Ma question porte donc sur une schizophrénie décomomienne, c'est-à-dire comment résoudre la question du combat de la modernité, qui au moment où ils la produisent sont dans des codes, des propositions de codes, des propositions de méthodologie totalement innovantes, et aujourd'hui la notion de combat qui est de restaurer une partie de patrimoine qui a 70 ans ou quelque chose de cet ordre. Voilà. Alors sur le combat, nous on est des... On a tous les deux travaillé chez Rudy Ricciotti, qui a écrit « L'architecture est un sport de combat ». Mais je pense vraiment que l'architecture, ce n'est pas un sport, hein, c'est juste un combat. Et il faut venir à une réunion de copropriété pour comprendre que les gens en viennent presque aux mains, hein, sur certains points. Alors... moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Je ne dirais pas que, en tout cas, dans ces cas pratiques qu'on a exposés, je ne dirais pas qu'on a amélioré les choses. Je dirais que, en tout cas, dans ce sujet-là, qui est Athéna, et qui est très proche de ce qu'on a fait, on a travaillé pour la Villa Arson, qui est donc une école d'art qui est à Nice, qui a été faite par Michel Marot, qui est une merveille absolue de patrimoine du XXe siècle. On a eu la même posture, c'est qu'on n'a pas amélioré les choses. On a commencé par recenser, diagnostiquer, et faire disparaître tout ce qui avait été mal effectué pendant 15 ans. C'est-à-dire que c'est
juste de gommer le manque de responsabilité, des travaux qui n'ont pas été pensés et des gens qui ont travaillé sans éthique dans un bâtiment qui est patrimonial. Villa Arson, on a travaillé dans les couloirs, le premier job a été d'enlever toutes les gaines PVC plastiques qui couraient au plafond, d'enlever les murs qui avaient été construits, qui avaient obturé la trame de maraud d'origine. Athéna, ça a été d'enlever toutes les scories qui avaient été rachetées par les copropriétaires. Donc je pense que la bonne approche, non pas dans l'amélioration, mais sur du patrimoine industriel, enfin, architectural, c'est le nettoyage. Et effectivement, oui, c'est un combat parce que finalement, il y a une force de résilience. J'ai la plupart des gens avec qui on échange qui ne voient pas pourquoi on enlèverait des choses qui ont trouvé leur place naturelle. Alors qu'en réalité, quand on a cette culture du patrimoine architectural, il y a des choses qui sautent aux yeux et on ne peut pas les laisser en place. En tout cas, c'est notre posture, c'est à peu près la posture qui est la tienne aussi, c'est que quand on reprend l'histoire, et c'est d'ailleurs exactement ce qui a été démontré tout à l'heure sur le premier exposé, quand on compare l'état d'origine du bâtiment et qu'on voit ce qu'il est devenu en 30 ans, et qu'on a un peu de sensibilité, je dirais presque de l'amour en fait, pour le patrimoine architectural et pour le travail, que ce soit de Candilis, on ne peut pas laisser faire ça. On n'a qu'une envie, c'est de gommer, nettoyer les façades et revenir à l'état d'origine, puisqu'on n'a été que dépréciation. Donc c'est un combat. Ouais. Oui, peut-être juste pour, par rapport à cette question importante que tu poses, qui est comment est perçue la modernité, alors là par les occupants et par les locataires. C'est vrai que, bon, en tant qu'architecte, évidemment, on est nombreux à apprécier les qualités et les innovations de cette architecture. Mais il n'en demeure pas moins que la manière d'habiter, évidemment, a évolué, peut-être pas tant que ça, mais en tous les cas, la demande par rapport à un certain confort a évidemment augmenté. Donc le jeu consiste à se projeter en fait dans la meilleure évolution possible dans un cadre technico-économique de ces bâtiments, de telle manière que les occupants puissent, passer au-delà de quelques écueils qui sont bien réels dans ces architectures. Et qui permettent en fait de et les niveaux de prestations sont pas forcément énormes, mais en tous les cas les niveaux des nouvelles prestations sont pas forcément très très difficiles à atteindre. Mais je pense que effectivement il y a une évolution nécessaire de ce patrimoine, et effectivement le rôle des architectes c'est de faire évoluer ces bâtiments en dialogue avec les dispositifs d'origine. Mais l'amélioration est effectivement nécessaire, selon moi. Oui, évidemment, la problématique fermeture des logias, c'est inéluctable et c'est quelque chose, il faut se dire qu'on ne peut pas négocier avec les habitants. Donc il faut bien améliorer et faire avec. Il y avait encore peut-être une dernière question, je crois. Parce que moi, je voulais juste sortir de la dimension du logement et élargir à celle du quartier, notamment pour Meaux. Vous avez à plusieurs fois évoqué la déclivité, l'importance du parc, des aménagements paysagers. Et effectivement, sur site, ils sont fondamentaux, mais ils sont aussi extrêmement dessinés. C'est-à-dire l'accroche des bâtiments, l'ensemble de toute cette parcelle a des aménagements qui ont été conçus et qui font partie du patrimoine. Donc déjà, dans le cadre des travaux, est-ce qu'il y a des prescriptions de préservation du patrimoine végétal? Parce que souvent, il y a beaucoup de dommages qui sont apportés quand il y a des travaux. Et d'autre part, comment est-ce que Paris Habitat peut avoir les moyens, d'une part dans la gestion et d'autre part dans la réintervention, dans le réaménagement global de la parcelle, de prendre en compte cette dimension globale qui soit à la fois paysagère, à la fois il y a beaucoup de dessins, de coutures, de détails, de coutures entre les bâtiments, entre le rapport au sol, qui sont très très inventifs et très intéressants. Comment est-ce qu'on a les moyens d'aborder ça dans son ensemble,
parce que souvent les services de gestion des espaces verts n'ont pas forcément cette culture architecturale. Enfin, il y a une coupure un peu entre la gestion des espaces extérieurs et le travail sur la parcelle d'ensemble. Enfin, je ne sais pas si je suis claire. Alors, sur l'opération de Armand Carrel, j'en ai pas parlé, mais on a effectivement tout un programme de travaux sur les espaces extérieurs. Donc là, on a travaillé avec une paysagiste, Fikira, qui a fait un gros, gros travail de diagnostic sur le patrimoine paysager. Donc, on a effectivement des arbres qui ont été plantés à l'origine, qui seront conservés. On a aussi toute une série de végétaux qui ont été rajoutés bon an mal an et qui vont être déposés. Et puis, ce dont on s'est rendu compte, c'est que au niveau de la voirie, il y avait eu une évolution aussi du projet d'origine avec un dessin qui avait été modifié pour certaines zones. Donc dans le cadre des travaux d'accessibilité, comme on en parlait, alors on ne pourra pas malheureusement revenir en arrière sur des travaux qui ont été faits sur des aménagements d'entrée de hall. On a dû faire avec au moins la structure de ces halls qui sont en applique sur les façades. On a retravaillé sur tout ce qui était serrurerie et surtout au niveau de l'accessibilité, on va remonter globalement le sol entre 30 et 50 cm selon les halls, de telle manière qu'on puisse avoir une accessibilité directe au hall. Mais ça fait partie d'un projet d'ensemble qui effectivement, là aussi, prend en compte cette qualité assez exceptionnelle. Et comme vous le disiez, notamment sur tout ce qui est changement de niveau, on avait même à un moment imaginé que certains rez-de-chaussée pourraient être transformés en logement, puisque en fait on a des parties, c'est assez incroyable, on a des parties de caves qui sont quasiment pas enterrées sur certaines parties du site. Et voilà, on ne le fera pas sur cette opération, mais il y avait en tous les cas des potentiels intéressants de ces bâtiments et de la manière dont ils sont posés sur le sol du site. Merci. Je vous propose peut-être que nous passions maintenant, que nous puissions clore cette demi-journée qui a été féconde, qui est un peu en retard, mais ce sont les tables rondes qui ont été très longues parce que je crois qu'elles vous intéressaient beaucoup. Donc je vous prie d'excuser un peu ce retard qui va réduire la pause déjeuner, comme on dit. Mais nous vous accueillerons à nouveau à 14h et autour d'un café qui a fini par arriver, qui sera dans le foyer. Donc je vous invite vivement même à arriver un petit peu avant pour qu'on dérape pas pour commencer à 2h30. Et je demande aux intervenants de se rassembler ici parce que je vais leur offrir un déjeuner frugal. Frugal, voilà, de travail, avant donc que nous nous retrouvions tous ensemble à 14h. Et je pense qu'on peut applaudir tous les architectes et les maîtres d'ouvrage.